Bon, ça a moins de classe. Ouais, attends, je vais sortir ma paire de Robert Ayer. Mais entre ça et l'Anstan Smith... Pour qu'une solure... Pour qu'une chaussure... soit... Arrête, s'il te plaît, c'est déjà difficile. Il nous faut un bêtisier aussi. Ouais. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, il est temps de tacler la Stan Smith. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez vu porter de gré ou de force. Alors dans un premier temps, on va vous expliquer pourquoi les paires de Stan Smith mériteraient d'être brûlées sur un bûcher. Et dans un deuxième temps, on vous proposera des alternatives plus cool à porter. Et croyez-moi, celles-là, vous ne les connaissez pas. Concernant le cuir, enfin, les matériaux utilisés... parce que c'est pas vraiment du cuir, ça a un peu changé, notamment depuis 2021 où on propose une sorte de matériau recyclé, c'est ça Arthur ? Mais avant ça, grosso modo, c'était de la merde en plastique. Mais parlons du présent. Alors maintenant, sur la Stan Smith, Adidas utilise ce qu'ils ont appelé le Prime Green. Alors qu'est-ce que c'est le Prime Green, me demanderez-vous ? Très bonne question. Très bonne question. Et ben en fait, je peux pas vous répondre avec précision. Adidas le définit comme une gamme de matériaux haute performance monsieur, qui change notre manière de produire afin d'offrir une alternative plus durable. La collection Adidas Prime Green est conçue avec une série de matériaux recyclés haute performance. Tige vegan composée à 50% de matière recyclée, semelle extérieure fabriquée à partir de déchets de caoutchouc sans polyester vierge. Derrière ce joli nom de Prime Green, ce n'est pourtant pas un standard, ni une certification européenne. Et donc, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de standard. Voilà, donc c'est vraiment la marque qui a fait ça pour elle. Ce qui est vrai, c'est que c'est vegan puisqu'il n'y a pas de cuir et que c'est du plastique. C'est un cuir qui n'est pas végétal, attention, c'est un cuir qui est synthétique, donc réalisé à partir de produits pétroliers. Et spoiler, les produits pétroliers, ça pollue fort. Un de ces cas, ce serait cool avec Arthur qu'on fasse une vidéo sur les cuirs synthétiques et les cuirs végétaux. Ouais, versus le cuir classique. Si ça vous tente, dites-nous tout en commentaire et on fera ça. On va attaquer les matériaux dits haute performance. Alors, je vais vous dire, je n'ai rien, mais vraiment rien trouvé sur ces dites haute performance. C'est quoi? C'est la respirabilité, c'est l'imperméabilité, c'est je sais pas, c'est l'abrasion, on sait pas, on n'a pas trouvé. Donc si jamais vous avez plus d'infos que nous, n'hésitez pas à nous le dire aussi, parce que moi je n'ai rien trouvé. Là encore, typiquement, ce sont des éléments de langage qu'on utilise dans le marketing de la mode pour essayer de donner de la plus-value à un produit qui n'en a pas. Est-ce que vous sentez cette légère odeur de bullshit là? La tige, donc en fait le dessus, le corps de la chaussure, il est réalisé à 50% de polyester recyclé. Donc vous avez 50% de polyester recyclé et 50% de plastique de merde. C'est pas terrible. Dans l'ensemble, c'est de la merde, quoi. C'est pas de la haute performance d'écologie. Voilà, exactement. Et Adidas nous dit que c'est fait sans polyester vierge. Et c'est ça le mot-clé. Avec le Prime Green, en fait, Adidas essaye de remplir son engagement à éliminer progressivement tout le polyester vierge d'ici 2024. Pour ce genre de chaussures, on utilise plutôt du polyuréthane, qui est une matière pétrolière de merde. Dérivé du polyester. Voilà. Alors comme ça, ça a l'air génial, quoi. Ouais, on élimine le polyester vierge. Sauf qu'en fait, c'est pas ce genre de matière qu'on utilise pour faire ces chaussures-là. Donc en fait, elle évacue un problème qui n'est pas posé à la base. Pour qu'une chaussure soit solide et tienne dans le temps, il faut qu'elle soit bien construite. Ça commence par un montage cousu. Alors il y a plein de manières de faire différentes. Il y a du Blake, il y a du Goodyear, il y a du Norvégien, et il y en a d'autres. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ce sujet. On vous la mettra en fiche. Vous verrez, c'est très complet. Concernant la Stan Smith, ça n'est rien de tout ça. C'est un montage collé avec une sorte de cousu strobel dégueulasse. Et après, les gens s'étonnent que les sneakers, il faut les renouveler tous les 6 mois, 1 an. Mais avec des constructions pareilles, c'est normal, ça tient pas la route. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez voir à quoi ressemble votre Stan Smith coupée en deux et comment elle est construite, je vous invite à aller voir la vidéo de Rosenville. C'est dingue ce qui est une chaîne que j'adore. Et franchement, on n'a rien ajouté de mieux. Donc, si vous parlez anglais, allez la voir. Et de toute façon, vous allez tout voir, c'est génial. Concernant le style de la Stan Smith, c'est un peu plus subjectif comme avis. Bon, alors comme c'est une sneakers, avec Arthur, on n'est pas très bien placé pour en parler parce que nous, on n'en parle pas des masses. Non, pas du tout. Oui. Donc, c'est pas trop notre truc, quoi. En revanche, ce qu'on peut vous dire, et c'est assez évident, c'est que la forme de la chaussure est très arrondie, qu'elle vous fait un petit pied, qu'elle est assez courte. Donc si vous avez des grands pieds, eh ben, c'est joli sur vous. Et c'est confortable. Cela étant dit, le design de cette sneakers est plutôt cool. D'ailleurs, ça a très très bien marché à sa sortie en 1964. Et à l'époque, ça s'appelait pas la Stan Smith, ça s'appelait la Robert Ayer. Et oui, vachement classe. Hein. C'est un français, donc on peut dire Ayer. Cette paire a très bien marché, puis elle est un petit peu tombée dans l'oubli parce que les sneakers à ce moment-là, ça se développait beaucoup, il y avait beaucoup de modèles qui arrivaient. Et on sait pas pourquoi, dans les années 2010-2015, j'ai envie de dire c'est revenu, mais c'est même pas revenu, ça a inondé le marché. Ouais. Tout le monde n'avait que ça au pied. Moi, quand j'étais au lycée, c'était mais... il y avait que ça. Quand une chaussure revient en force comme ça, c'est que le design est plutôt cool et que ça marche bien et que ça plaît aux gens. C'est vrai qu'avec un design simple, efficace, avec une petite touche de couleur, moi je comprends que les gens ils ont envie de s'acheter une paire de Stan Smith. C'est vraiment bien fait. Si elle est aussi populaire, c'est qu'a priori le design doit pas être très mauvais. Si la paire de sneakers blanche épurée, c'est ton truc, ne t'inquiète pas, on va pas te laisser en galère. Si t'as pas les moyens de te payer une paire de Common Project, on t'a trouvé deux alternatives où c'est plus intéressant que la Stan Smith sur le plan écologique, sur le plan du style et, technique. Bien sûr le plan technique et le cuir. Première alternative qu'on te propose, c'est une paire de sneakers minimalistes blanches qui vient de chez Italix. Eux, ils ont un modèle un peu particulier. Ils te vendent des produits qui sont faits dans les ateliers des marques premium, très haut de gamme et luxe, et ils te le vendent à prix atelier. Alors, ils réussissent à faire ça comment? C'est uniquement grâce à un abonnement que tu payes à 100 € par an. Donc, c'est assez inhabituel, mais si tu achètes plusieurs choses chez eux par an, ça devient très vite intéressant. Donc, c'est un peu spécial, mais c'est intéressant. Chelou, mais ça vaut le coup. La deuxième sneakers qu'on te propose, elle est un peu plus haut de gamme. C'est un modèle de chez Crown Northampton. Le cuir, c'est du veau pleine fleur. La semelle intérieure, la doublure, la première de propreté sont en cuir aussi. Elles sont faites main à Northampton, dans le berceau industriel de la chaussure. Enfin bref, c'est vraiment une sneakers qui dépote. Et donc t'imagines, si elle est faite à Northampton, la construction... c'est du lourd. Voilà, notamment sur le montage de la semelle et les contreforts, il est à des kilomètres de celui de la Stan Smith. Mais entre ça et la Stan Smith, ça n'a rien à voir. C'est une autre galaxie. C'est un peu plus cher, mais t'en auras pour ton argent et tu peux être sûr que la semelle va pas se barrer au bout de 6 mois. Pour les curieux, on vous recommande chaudement la chaîne de Rosenville qui passe son temps à découper des chaussures pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est absolument jouissif. On a vaguement abordé les différentes manières de construire une chaussure avec des montages cousus. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir un petit peu plus, on a fait des vidéos sur le sujet. Je la mets sur Arthur. Tu verras, tu vas tout de suite y voir plus clair. D'ici là, on te souhaite bon visionnage et on te dit à la semaine prochaine pour ton rendez-vous du dimanche sur Art of Style. Ciao!